Salut à tous les amis, j'espère que ce petit dessin vous a plu. Donc petit dessin du géant royal dans Clash Royale. Donc c'est ce qui est le plus demandé, Clash Royale, c'est pour ça que je suis beaucoup dessus en ce moment, mais je vais faire d'autres trucs, hein, vous inquiétez pas pour ceux qui sont pas trop Clash Royale. Voilà, voilà. Donc c'est une création assez compliquée à faire, ça m'a pris à peu près une heure pour créer, dessiner et le colorier. Voilà, voilà, donc très sympa. Je vais tout de suite vous dire quelle couleur j'ai utilisé. Alors pour tout ce qui est jaune, donc la couronne, là et là. J'ai utilisé donc, du jaune et tournesol ainsi que la couleur or. Voilà. Pour tout ce qui est barbe, cheveux, j'ai utilisé donc, de l'ambre, c'est une couleur orange assez claire, la couleur moutarde et la couleur gris. Gris que j'ai plus sous la main ici. Voilà. Pardon. Ensuite, pour ce qui est ceinture et là le manche, donc tout ce qui est rouge, deux nuances. Donc le pavot, poppy et bourgogne. Donc pour tout ce qui est rajouté de l'ombre sur des trucs rouges, bourgogne c'est nickel. Alors moi c'est ce que j'utilise. Ensuite pour le haut là, voilà, ce qui dépasse un peu en bas, j'ai utilisé Martensia et mauve, violet. Voilà, donc deux couleurs. Ensuite pour la boule, le canon et la boule, bah, des gris, hein, gris froid 2, 3, 4, 5 et du noir et de la pastel aussi. Hein. Pour la peau, j'ai utilisé deux couleurs, alors pêche douce et corail pour l'ombre, pêche douce et corail et de la pastel un petit peu parce que j'ai vu que c'était un peu trop foncé sur le visage. J'ai aussi utilisé de la pastel rouge pour le nez, ce qui rajoute un petit peu de réalisme. Voilà, ça lui fait un petit peu un nez rouge, voilà, voilà. Ok, donc qu'est-ce que j'ai tout dit? Donc pour la côte de maille, donc c'est les gris. Ouais, il me semble que j'ai tout dit. Voilà, voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si jamais ce dessin vous a plu. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour le prochain dessin. Ciao tout le monde.